Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail, et qu'on appelle le monde. Séverine, comment vas-tu? Je sors de mon petit café hipster, je viens de me prendre un café latte avec du lait d'amande. Déjà, je me dis que je suis au top niveau boboisation. En revanche, pour lutter contre la sixième extinction de masse, je suis un peu à la ramasse, justement. Et j'aimerais bien que tu me donnes des conseils, parce qu'à mon avis, Greta Thunberg va me tomber sur le coin de la figure. Elle viendra pas en avion, c'est sûr. Ah voilà, ça je le savais. Mais tu sais pourquoi elle viendra pas en avion? Parce qu'elle a écouté notre épisode sur la mobilité douce, voilà, tu vois. Oui, Werner, bonjour. En fait, comme tu l'as bien dit, les océans, les forêts se vident en ce moment, les espèces déclinent en masse. Certains affirment même, comme tu viens de le faire, que nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse sur la planète, ce qui serait la première depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Très bien, Séverine. Je veux bien que tu me parles des dinosaures, mais ils n'étaient pas spécialement engagés sur les questions de biodiversité. Non, c'est sûr. Les écosystèmes, à ce moment-là, on ne les connaît pas encore très bien, mais ce qu'on sait qu'actuellement, c'est qu'on habite en ville ou qu'on habite à la campagne, on peut agir en faveur de la biodiversité, c'est très simple. Et on peut transformer ses alentours ou son environnement en une sorte de réserve naturelle privée. Je t'avoue que je suis pas rassuré avec toutes ces histoires. Je suis un peu en panique pour la suite des choses. Ça a pas l'air d'aller dans le bon sens, hein. Moi, je fais des efforts. J'écoute les podcasts à chaque fois, toutes les semaines, d'un bobo dans la ville. Je fais les choses à mon échelle, mais il va falloir, sur cet épisode, Séverine, que tu me rassures. Oui, alors je vais te rassurer un petit peu. Je vais déjà commencer par te donner quelques chiffres qui sont super intéressants concernant la biodiversité. Commençons par le début, en fait. C'est quoi, Werner? Les dinosaures. Tu me l'as déjà fait il y a 2 minutes. Non, mais dis-moi, c'est quoi pour toi la biodiversité? Je sais ce que c'est que le bio et je sais ce que c'est que la diversité. Alors les deux ensemble, j'ai un peu du mal en termes de concept. En fait, la biodiversité, c'est la variété du vivant sur Terre. C'est tout ce qui vit sur Terre, en fait. Donc les plantes, les animaux et nous, les humains, on fait partie de la biodiversité aussi. Ah, c'est ça qui pose problème. Voilà. On estime qu'il y a sur Terre 8,7 millions d'espèces et de plantes. Et il y en a encore beaucoup qu'on n'a pas découvert. Hein. Tu le sais que chaque année, on découvre encore des nouvelles espèces. Et nous, les humains, on est à peu près 7,6 milliards. Et du coup, on représente que 0,01% de tout le vivant sur la Terre. Et on arrive à foutre autant de bordel? Voilà. Bon, c'est vrai, très concrètement, tu vois, moi, entre les platistes, les climato-sceptiques et les dépressifs, je ne sais plus où donner de la tête. Heureusement qu'il nous reste un podcast, un bobo dans la ville. Hein. Oui, et puis il nous reste des belles choses à préserver, comme par exemple, savais-tu, Werner, que 10% des espèces décrites dans le monde sont présentes en France? 10%? Oui, 10%. C'est une belle responsabilité pour nous à mettre à notre compteur en matière de préservation de la biodiversité. Et concrètement, comment moi ça m'implique en tant que citoyen ou en tant que citadin? Ça t'implique dans le sens où tu habites dans un pays où l'un des plus riches en biodiversité quelque part. Donc c'est à toi de prendre ça en main pour qu'elle reste aussi riche et qu'on perde le moins d'espèces, qu'elles soient végétales ou animales. L'avantage de ce podcast et de ces conversations, c'est qu'on vous partage des concepts, des chiffres, des idées que vous pouvez tout de suite aller googler sur Internet pour trouver plus de références. Une que je viens de chercher pendant qu'on discutait, Séverine, en tapant bio, nécessairement, dans Google, il y a plusieurs propositions et le biomimétisme est apparu. Est-ce que pour toi, c'est une solution intéressante pour respecter la biodiversité? Oui, ben, le biomimétisme, en fait, c'est s'inspirer d'attributs animaux ou végétaux pour développer des technologies ou des objets qui vont nous simplifier la vie. Par exemple, certains designs de trains ont été inspirés de la tête d'un aigle. Pour l'aérodynamisme, du coup? Exactement, pour limiter le frottement de l'air et prendre plus de vitesse en consommant moins d'énergie possible. Le biomimétisme, ok. La biodiversité, ok. En tant que bobo, dans ma démarche de développement personnel, comment je peux faire pour favoriser la biodiversité? Séverine, s'il te plaît, quelques solutions. En fait, déjà, avant de partager avec vous les solutions, je voudrais qu'on fasse le point un peu des menaces. Pourquoi elle est en danger, la biodiversité, à ton avis, Werner? À mon avis, Séverine, c'est parce que c'est pas assez rentable. Oui, c'est pas assez rentable, mais c'est surtout que ce sont nos activités humaines qui portent préjudice à la biodiversité, tout simplement en morcelant les territoires des animaux, en coupant les forêts à tour de bras, en privilégiant la monoculture sulfatée de plein de pesticides. Tout ça sont des réelles menaces
pour la biodiversité. Et je pense que ce sont les leviers qu'il faut qu'on tire si on veut protéger la biodiversité à l'avenir. Et si on ne veut pas avoir de problème avec Greta Thunberg. Exactement, surtout toi. Très bien Séverine, j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour faire en sorte qu'on s'entende bien avec Greta Thunberg? C'est très simple, on va partir du global, puisque la biodiversité est en déclin partout dans le monde, on peut plus ou moins le dire et l'affirmer à présent. Qu'est-ce que nous, à notre échelle individuelle, on pourra faire pour la préserver? C'est très simple, on en a parlé déjà dans un des épisodes où on voulait faire pousser des choses sur son balcon, je ne sais pas si tu te rappelles. Ah si, je m'en souviens. Voilà, c'est déjà un premier pas. Ramener du vert dans ta vie, dans ta ville, c'est un bon premier pas pour aider la biodiversité. Bien sûr, on n'a pas tous l'âme d'un maraîcher urbain, mais qu'à cela ne tienne, il y a plein de choses qu'on peut faire et de plantes qu'on peut mettre sur son balcon, sur ses rebords de fenêtres pour agrémenter sa vie. Mais on a besoin aussi de donner des espaces à des animaux qui sont plus sauvages, moins domestiques, on va dire. Donc revoir encore une fois notre manière de construire des routes, couper du bois, de naviguer dans tous les sens et de cultiver nos fruits et légumes en masse. Petite question Séverine, est-ce que les activités de chasse et de pêche nuisent à la biodiversité? Dans certains milieux, les espèces comme des sangliers par exemple ou des chevreuils. Dans la forêt de Fontainebleau par exemple, il y a plein de sangliers. Voilà, et ben ils vont se trouver favorisés par pas mal de choses et ils vont proliférer. Et le problème avec ces animaux sauvages qui prolifèrent, c'est qu'ils vont aller saccager les cultures. Ou dans le cas des loups ou des ours, ils vont aller s'attaquer aux troupeaux. Donc, est-ce que pour les réguler, il faut les tuer? Je partage pas tout à fait cet avis, mais c'est en tout cas l'un des arguments principaux des chasseurs. Ok pour la chasse et la pêche dans tout ça? Alors la pêche, c'est plus complexe parce que la pêche, c'est industrialisé. En fait, on le sait, on a les gros chaluts qui traînent leurs filets sur le fond en raclant tout ce qu'il y a au fond et sans vraiment sélectionner les espèces non plus de poissons qui remontent à la surface. Donc là, c'est un problème vraiment que les États doivent prendre à bras le corps pour protéger les océans d'une part de la surpêche, mais aussi de toutes les pollutions dont on avait aussi parlé dans un des épisodes précédents du Bobo dans la ville. Les activités industrielles posent problème, mais si je veux aller pêcher en week-end avec un copain, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible, sachant que les rivières aussi sont assez polluées et asphyxiées, et que beaucoup des poissons que tu pêcheras pour ton loisir sont des poissons qui ont été élevés et relâchés dans les rivières juste avant l'ouverture de la pêche. Est-ce que tu as d'autres solutions, Séverine, à nous partager? Les solutions au niveau individuel, elles sont très simples, Bernard. Comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, on peut planter des légumes ou des fleurs, des arbres, des choses comme ça qui vont aider les oiseaux à venir nicher. Ça va leur faire des endroits où ils vont pouvoir se reproduire et se nourrir aussi, des baies, des fleurs, des fruits. On plante des haies plutôt que de planter une haie de thuya unique qui est en plus un végétal toxique pour la biodiversité. On va faire un assortiment de plusieurs variétés d'arbustes et on aura une haie en plus colorée, qui donnera des fruits ou des couleurs très différentes en fonction des saisons et qui va s'animer très vite des chants des oiseaux et des insectes qui vont venir s'occuper de ta terre gratuitement en fait. Bon, tant que c'est pas des pigeons parisiens, ça me va. Hein. Merci Séverine d'avoir partagé ces solutions avec nous. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode d'Un Bobo dans la ville. Tu connais le slogan? Chacun sa route, chacun son chemin. Pas d'étiquette. On passe le message à son voisin. Merci Séverine. Abonnez-vous mes petits bobos. On se retrouve très bientôt.